Here we go again! Let's go les amis! Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo! Oui, sur Assetto Corsa. Sur F1 quoi? Sur F1, rien du tout frérot! Oh putain, ah ouais, toi t'es parti! Oh, ils sont déjà sortis! Eh oui, c'est parti! Tout le monde est sorti! Alors, qu'on vous explique, ça y est, la compétition VRC sur Assetto Corsa en Formule 2 vient d'ouvrir ses portes. On est ce soir à Bahreïn pour disputer la première course des 8 qui sont au programme. Vous voyez que, eh bien, pour moi, pour ma part, je trouve que les mecs ont oublié d'allumer la lumière. Ah ouais, mais gros, moi ça va nickel, hein. Ah mais gros, moi je trouve ça super sombre en vrai, hein. Bah je sais pas, moi je trouve ça nickel, donc bon. Parce que, alors, faut le savoir, sur Assetto Corsa et sur cette Formule 2 V6, on va dire. C'est donc, ça, on a la V6, la Formule 2 de 2019. Exactement. Et eh bien, la voiture, comme sur le petit one-off qu'on avait fait avec Hydro sur VRC, putain, ouais, il y a quelques mois. Et eh bien, les pneus, en fait, faut les mettre le plus froid possible au début du tour parce qu'ils vont tellement chauffer pendant le tour que, en fait, c'est en fin de tour qu'on aura un problème en termes de pression de pneus et de chauffe des pneus. On a un peu regardé, on a 20 minutes en fait de qualification et donc du coup on a compté qu'on pouvait faire à peu près 3 runs, donc 3 tentatives en faisant notre méthode où on fait bien refroidir les pneus, on fait un tour chrono et après on est obligé de repasser par les stands. Ça c'est important, c'est pour le roleplay du live on va dire, donc ça faudra y faire attention. Allez, on va se concentrer, c'est la première tentative, let's go baby. Oh putain, je fais que des conneries sur cette première tentative. C'est incroyable. Oh shit, here we go again. Ah, j'ai spin dans le dernier virage, je suis entré beaucoup trop fort. Alors c'est bon, y'a personne. Ah, terrible. J'arrive, attention, terrible. J'arrive. Terrible ce tête à queue, le premier de la saison. Aïe aïe aïe, bon pas de chrono du coup, c'était pas un tour excellent. Aïe. Allez, aïe aïe aïe, la 40.5 c'est pas super bon. Allez, deuxième tentative, en espérant faire un peu mieux, ce serait pas mal. Léo, bouge, please. Je te donne la spi, frérot. Yes, merci. Ah, un petit peu trop agressif sur le vibreur. J'ai perdu un petit dixième, je pense. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai fait un très mauvais tour de sortie pour l'instant, les pneus sont déjà trop chauds. Aïe aïe aïe. Je vais prendre tout mon temps. Ah gros, mais c'est quoi ça? J'aurais pas le temps de refaire un tour. Putain. Allez, c'est tout pour moi cette qualif. Hydro va finir son tour et on se donne rendez-vous sur la grille de départ.
Oh mais gros, en plus je gagne 3, 4 dixièmes dans le dernier secteur. Mais non. Mais non, mais fais pas ça. Quoi? Mais genre la qualif elle est pas finie gros. Bah ouais mais... Genre même quand le drapeau à damier il est fini, genre faut pas faire ça frérot. J'ai lâché le volant frérot. Ouf. Mais t'es un débile. Oh mais gros, le roleplay zéro chez toi. Oh, en gros, gros tu vas te prendre. Je l'ai perdu sur la ligne direct. Arrête. T'as rien perdu sur la ligne, t'es un grand fils de pute, voilà ce que t'es. Ok, t'es bon. Grille de départ, on part. Je pars P6, Hydro P8, on est pas trop mal finalement en vrai, honnêtement. En vrai, on aurait pu faire beaucoup mieux si on avait pas foiré Noren. On aurait pu être. Beaucoup mieux, je sais pas. En vrai, on aurait pu faire mieux, mais. Moi, mon run, il est compliqué. En vrai, j'ai 2-3 dixièmes à aller chercher, mais il faut vraiment sortir le tour parfait. Quoi. Allez, le tour de chauffe va commencer. On va chauffer les pneus. Ça va être quand même un minima important de bien chauffer tout ça, puisque après, eh bien, le premier tour va être un petit peu chaotique. Oh, il y a une voiture devant. Elle s'est pas mis. Elle s'est pas pluguée sur la ligne. Il y a une voiture devant moi, frérot, elle s'est pas mise sur la grille, j'ai l'impression. Elle part peut-être destin, non? Pour l'instant, il y a P5 pour moi. Non, je suis P7, je viens de gagner je sais pas combien de places. Une seule. J'étais pas P9, mais j'étais pas P9? Non, t'étais P8, frérot. Va pas falloir faire d'erreur, va falloir faire aussi un petit peu attention à l'undercut, un petit peu aux stratégies, mine de rien. J'espère que je vais pas avoir une déco parce que. Sinon, ça foutrait un petit peu la mort. Ça fout la mort. Bon, après, avec iRacing, de temps en temps, on en a une ou deux, quoi, sur les événements spéciaux, mais... Ouais, mais bon, là, c'est pas... Là, c'est pas la même chose, on va dire, frérot. Ah, le VRC Live est disconnected from the server. C'est terrible. Ça, c'est le live qui vient de se déco. Oh, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, hein. Oh Pierrot, t'arrêtes pas non plus. Mais du coup je sais pas où je suis en fait. Moi j'étais. Attends, ah non, faut que j'avance encore un peu. Oui c'est ça. My bad. J'étais pas derrière toi si? Bah si, t'étais derrière moi frérot. On est. Ouais c'est ça. Non ouais c'est ça. Oh putain que c'est parti. Ok, là je t'avoue que la grille est un peu, j'ai coupé. Ouais, non, on va voir ce que ça fait. À la gauche. Ouais, oui, mais c'est normal. Allez, départ. Premier Grand Prix de cette saison. 8 courses au programme. Allez. Faut faire ça correctement. En 24 heures, c'est from commentateur to player. From commentateur to gros loser. Aïe. Oh, les pneus sont froids, putain. Allez, donnez le départ là, bande de. Oh. Ah, ici, ils attendent que le live revienne, gros. Ah, gros, on est dans la merde. Aïe. Allez. Il peut pas nous donner un deuxième tour là. Allez. Putain, les pneus sont rares, archi froid. Allez. Ah oh, gros, le départ ça va être catastrophique. Oui, ça y est, enfin. Oh mais... Oh les gars, mais putain. Surtout passez pas le virage beaucoup plus long. Oh là là, j'ai plus d'aileron, mais putain. C'est une blague. Ouf. Putain, quel départ de merde alors! Oh, j'ai vraiment eu peur. Oh là là, ce scandale qui nous a fait le hydro! Quoi que j'ai fait moi?
Non, bah gros, t'as pris un départ de FDP, t'as pris départ canon. Oh, c'est scandaleux. Oh gros, j'ai des frises tout le temps, c'est relou. Putain, mais ton ordi, c'est vraiment de la merde. Allez, mais ferme ta gueule. Mais c'est vrai. On n'a pas donné nos noms de voiture, frérot. Fils de pute, tu crois que c'est le moment? Bah, je sais pas, peut-être. On n'est pas des influenceurs, des content creators. Je sais pas, moi, ma voiture, comment je l'appelle, moi. Bon, laisse-moi du temps, je viens de la rencontrer. Genre, mec, ça fait une heure que je la connais. Allez, DRS. Oh frérot, j'ai des frises, c'est insupportable. What? What? Oh, fuck. What? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ah non, je suis en... Ah, j'ai bugué. Oh, il y en a plein qui ont déco, frérot. Tout le monde a déco, je suis solo. Oh, je suis solo aussi. Eh bah écoute, alors moi je vais reprendre où j'en étais. Alors au final, faut expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mon cher Hydro. Le serveur a planté au troisième tour, si je dis pas de bêtises. En entamant le quatrième tour, exactement. À la fin du troisième. Fin du troisième, début du quatrième, donc le serveur a planté. Du coup, on refait une simulation de départ. On va refaire un tour de chauffe et on va se placer sur la grille pour refaire un départ arrêté. Et puis, on va reprendre avec 22 tours, un peu moins, 20 tours à faire. Donc, finalement, un peu comme en vrai, et c'est pas plus mal. Enfin, je trouve que ça a été bien géré. Du coup, on a une situation de red flag en gros, donc c'est bien géré en gros. C'est plutôt pas mal. Mais et ça nous avantage au final parce que toi, on avait démarré P6, P8 et finalement on se retrouve P4, P5. Ah gros, quand il a lâché, ouais, alors soit on reprend du début, soit on reprend les positions. J'étais là en mode si on reprend du début après le départ que j'ai fait. Voilà. Là, c'est tour de formation. Tour de formation. J'espère que tout le monde a bien capté que c'était un tour de formation. Peut-être pas. Ouais, c'est un tour de formation, hein. Ouais. Oh, il y en a un qui... Non, non. C'est bon, tout le monde a capté. Ouf. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon. Là, je suis à côté de toi, par contre. Oui, je sais. Par contre, j'avais pas vu Jaja dans le... Moi aussi, t'es dans l'angle mort au début. J'étais... What the fuck. Alors, c'est pas plus mal parce que moi, j'ai eu une petite touchette dans le premier virage. Toi, t'as failli faire une rampe à gros genre, frérot. Oh, en gros, à deux doigts de faire une Heineken là. Ouais, du coup, t'avais eu une touchette. Au premier virage. Ouais, bah en fait, tout le monde s'est un peu arrêté. Et du coup, c'était un peu tendax et j'ai légèrement touché. Je sais plus qui c'était. J'ai un peu rouspété parce que je m'attendais à ce qu'il passe un peu plus vite le virage et en fait il a vraiment bien fermé et j'avais pas fait gaffe que devant lui il avait peut-être quelqu'un d'autre ou en tout cas à ses côtés. Et... Les gars, je vous souhaite une bonne course, essayez juste de pas vous foutre dehors dans le tour de formation. Parce que n'est-ce pas, Hydro ? Il y en a toujours qui se foutent dehors dans les tours de formation comme ça. Donc, là, si vous foutez dehors, c'est vous partez du fond. Quoi, donc, aïe. T'as compris, Hydro ? Me dis pas que tu viens de partir. J'ai fait un giga travers. Ouais, pas fait gaffe, hein. Allez, bonne course, les gars. Merci. Bonne course. 6 et. P4. Oh, un tout petit peu trop loin. Oui, c'est bon. Alors, attention à bien se placer sur la grille de départ. P4. Et c'est reparti. Putain, j'ai le pneu avant droit qui commence à déchauffer, c'est la merde. Ouais, les pneus avant sont bleus, mais les pneus arrière sont verts, donc ça va. Ça, c'est déjà pas mal. On a juste manqué peut-être un petit peu de... Allez les gars, touchez-vous. Grouillez-vous. Ah, il y en a un qui va partir des stands. Oh, c'est terrible. C'est qui s'est mis dehors. Ouais. C'est Jaja. Ah, c'est Jaja. Oh, il était juste à droite. Jaja. Oh, c'est bon ça. Enfin, c'est bon pour nous, entre guillemets. Bah, pour toi, t'as plus d'espace du coup. Ouais. Ouais. Et moi, normalement, je devrais pas me faire attaquer de l'intérieur, ça veut dire. C'est ça. Donc là, on est vraiment nickel. Allez, get ready là, let's go. Allez, on y retourne. Let's go. Down, 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 down. Down, 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 down.
Oh, ça s'est tapé derrière. Ouais, et je suis à tes côtés. Joue bien. Je suis à tes côtés. Vas-y, je sais que t'es là. Je vais freiner un peu plus tôt pour te laisser passer, on est un peu tranquille. Excuse-moi. Prends le virage correctement, frérot. Allez, accélère. Légère touchette et on gagne une place de plus. Il est en difficulté, vas-y attaque-le. Oh, fais gaffe, il va se mettre dehors. Ouf. Essaye de profiter de son aspect, ne double tout. Ouais. Je vais me décaler sur ta droite. Je vois pas le mec à gauche donc. Ah, tu perds une place, frérot. Et en plus, j'ai le DRS. Ah, il est activé ? Ouais. Ah, ouais. Ah, bah ouais, bah ça mange un dive. Hein. Bien joué! C'est quoi? Passe en mode qualif. On tape des gros tours, on rentre un peu plus tôt. Ouais, si on a du sale trafic. Oh! En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de me retrouver dans le trafic, frérot. Ah ouais, mais gros, là, sinon on reste sous sa menace et... Tu sais quoi, on va encore attendre un petit peu et puis on va voir comment la situation se décante. Ok. C'est pas encore le push time, mais... Oh non, c'est un bug. Ouais, ça va, c'est des... En fait, sa voiture, elle bug de ouf derrière, elle se téléporte. Ouais, je vois. J'ai un peu peur là. Allez, on essaie d'accélérer. Bon, allez, mon hydro là, va falloir essayer de le décrocher le petit Dwoon. Moi, je te mens pas que là, gros. Tu le conswap et que je non, le ralentisse non, pour non, que non, tu puisses t'échapper. Non, non, pour l'instant, ça me va ça. Oh, mais toujours ces bugs derrière, what? Ouais, je vois ça dans le rétro. Ouais, c'est bon, tu l'as décroché, ouais. Je crois qu'il a dû faire une erreur, ouais. Wow! Faudrait pas en faire une maintenant. Concentre-toi. Oh! Pardon? Il se passe quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Pardon? Mais pardon! Non mais c'est quoi ce vol? Non mais les gars, c'est abusé ça. Putain, c'est... Non mais voilà, la caisse elle est pétée, mais c'est quoi cette merde? Putain! C'est une blague! Oh là là! Putain, sa mère la pute! Non mais c'est scandaleux! C'est scandaleux, frérot! Déjà le Canada, les mecs ils font n'importe quoi là, je me fais rentrer. Mais il s'est passé quoi? Je sais pas, ça me casse les couilles.
Putain, arrêtez les gars, ça c'est pas normal quoi. Putain. Ah vas-y, ça me casse les couilles. On fait un job de ouf et là voilà, on est au 9ème tour mi-course et je suis comme une merde. Putain. Ah, y'en a marre gros, je me fais déco au Canada pour la pré-saison et tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain. Vas-y, on faisait P2, P3 là, c'est dingue. Pff, bon, allez, répare-moi tout ça là. Putain, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Scandaleux. 16ème, 17ème. Allez, 18ème, 19ème. Oh, j'en ai ma claque, putain, c'est scandaleux. Oh, mais mon aileron, il est derrière. Ah ouais, le DRS, il est baisé, quoi. Putain, j'y crois pas une seule seconde, quoi. Putain. Je suis ressorti juste devant Lucas, quoi. Incroyable. Putain, j'ai perdu un tour. Cette année, ils nous ont redemandé notre connexion et tout. Ouais, et ils ont pas vu ce qu'ils sont passés sur live, ils étaient pas sur nous. Ouais, bah ça, je me doute bien. Oh, j'ai le seum, putain, je suis 20ème quoi. Oh là là. Seum, là, vraiment ça m'a dégoûté. Vraiment. Tu vois, c'est même pas un mec qui me met dehors ou un truc, tu vois, genre sur une erreur ou un dive trop optimiste, tu vois. Genre là, c'est vraiment genre nowhere quoi. Genre, putain, ça c'est le truc que je déteste le plus quoi. Oh, je suis pas du genre à abandonner, mais putain, qu'est-ce que j'en ai envie. Ouais, P20, je peux abandonner, enfin. Hein, il n'y aura pas de safety car, il n'y aura pas de relance. Putain, ça me rend ouf. Ouais, je vais encore faire 2-3 tours. Oh, je sais, je vais taper le meilleur temps en course, même putain. Pas sur ça, compte. Oh, frérot, ils ont intérêt à me le faire compter. Parce que t'es pas dans le top 10. Ouais, bah, m'en bats les couilles. Voilà. Nickel. Voilà, bon, bah, on va passer en mode qualif, hein, frérot. Oh, je sais, je vais t'attendre. T'es en bataille ou pas? Non, 3 secondes d'avance pour l'instant, j'essaye de les garder. Oh, c'est parfait. Je vais me mettre derrière toi, frérot. Wouah, je suis... Oh, tête à queue, terrible. Oh, putain, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Oh, quelle journée de tu merde. Tu voulais prendre mon aspi? Mais oui, avoir le DRS, frérot. Putain, sa merde. Je t'aurais gêné. Mais non. Gros, je prenais ton aspi et je prenais le DRS. Allez, j'en ai marre, je vais me retirer, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je vais passer pour un gros rageux, mais j'en ai rien à foutre. Je suis plus à ça près de toute façon avec ce qu'on vient de vivre ce soir. Soirée absolument merdique. C'est comme ça, c'est la vie. C'est quoi le prochain Grand Prix? C'est Imola, je crois. Ouais. Imola la semaine prochaine. Bon. Hop, je vais me garer pour montrer que j'ai abandonné. Ah mais non! Ils vont te refaire un pit. Ils m'en refont un pit, ces enfants. Bah au moins ils travaillent nos mécanos, on les paye pas pour rien. C'est clair. Bon alors, je vais essayer d'aller voir où est Hydro. Hop. Ça y est, on est dans le dernier tour avec Lucas, celui qui est en tête, qui a mis une volée à tout le monde, on peut le dire. Clairement, c'est le meilleur. C'est le Vettel 2013, hein, clairement. Il est parti en tête, gros. Il a fait un gap de 5 secondes, on l'a plus jamais revu. Hein. C'est ça, on l'a plus jamais revu. On a pu se batailler un petit peu en début de course. Donc, moi, honnêtement, j'ai envie de te dire, tu vois, en vrai, sur le début de course, j'ai quand même un minimum kiffé parce que bah, on fait des belles manœuvres et on arrive à se serrer les coudes pour faire. En fait, ce qui me fout la haine.
c'est que c'est comme au Canada, on a un bon rythme, on est au bon endroit, et il y a toujours une couille qu'on contrôle pas en fait. C'est pas un accident ou quoi, c'est un truc qu'on peut pas contrôler. Qu'on c'est peut même pas, une erreur de notre part, c'est. Voilà, c'est ça. Okay, on peut quand t'as le rythme, en fait, c'est juste trop frustrant. Au final, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est comme si j'avais fait une casse moteur, tu vois, on va dire. Grosso ouais, modo. Mais non, mais casse moteur. Non, mais tu vois, genre, je veux dire, c'est aussi surprenant que ça. Tu es pour rien, ouais. Ça t'arrive sur la gueule, et tant pis, tu vois. Et faut le prendre comme ça, et faut relativiser un peu, tu vois. Genre là, moi, ça fait quelques minutes, j'ai eu le temps de redescendre un peu en pression, mais. Pas moi, attends là. Non, mais toi, t'es encore dans la course, c'est pour ça, tu vois, mais. C'est clair que. C'est ce genre de choses, c'est pas censé arriver, c'est dommage quoi, mais. Ah, c'est la course, tu vois, c'est la course, on va dire non, ça comme c'est ça. C'est le bug, gros, c'est pas la course. Bah ouais, mais moi je vais prendre ça en mode c'est la course, tu vois, mais ouais, on est censé faire P2, P3, faire double podium pour notre première grosse course, et puis voilà. Bon, c'est Lucas qui remporte la course, ça y est, ultime accélération, et c'est fait. Bravo, bien joué, mec. Lucas a enquillé tout le monde. Très très fort, Lucas. Et toi, tu vas venir prendre une belle deuxième place pour l'équipe. Il n'y a pas eu de consigne aujourd'hui. Hein. Non, on a bien géré. Hein. On a bien géré, hein, frérot. En vrai, on a fait une belle stratégie. Bravo, Hydro. P2. Oublie pas de rentrer au stand. Hein. Oublie pas de rentrer ouais, au stand. Et donc derrière, alors qui prend la troisième position? C'est Walou qui revient d'un peu plus loin et Dvoun qui le suit d'assez près. Hein. Ouais, 30 secondes et 31 secondes. Je suis dégoûté. The Rainbow P5? What? Attends, mais il n'y avait pas un deuxième The... Ah, il y a un deuxième The Rainbow, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, pas grave. Ça y est, tout le monde est en train d'arriver. Et du coup, pour ma part, ce sera un 0 pointé. Pas grave, frérot. C'est comme ça, c'est la vie. Esta la vida. Oh, fais pas une Vettel Malaisie, s'il te plaît. Non, c'est pour ça, mais en fait, je sais pas, je me souviens au Canada, il y en a qui se plaignaient comme quoi ils étaient toujours dans leur tour. Mais normalement, t'es non, pas. Non, gros, une fois que le leader franchit la ligne, tout le monde finit son tour. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, les mecs qui tartinent encore, c'est des mecs qui ont pas encore tout à fait compris ce qu'est un tour de décélération. Enfin, bref. Oh, gros, il y en a qui ont fini. Oh, si, ils étaient en onboard. Qui c'est qui ah ouais était en onboard? Wouah, je me suis fait décaniller. Oh. Ah oui, non, mais c'est un scandale. Qui va payer les frais de réparation? Bah, allez, je vais en interview. Vas-y.